Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Guild of Dungeoneering. Excusez-moi. Entre deux épisodes, j'ai remis Malice au lieu de Maïlis. Voilà. Et Broudaf nous rejoint. Évidemment, comme je fais ça juste derrière, eh bien, vous n'avez pas pu donner de nom, donc j'ai choisi. Et évidemment, c'est une photo tout à fait ressemblante de Broudaf. Eh oui. On se moque pas de vous ici. On n'entendra plus parler de ces petits rats de sitôt. It's so plain to see. Vous voyez que les settings audio sont très bas et pourtant c'est très élevé par rapport au son de ma voix, je trouve, mais bon, c'est comme ça. Il faut quand même que vous entendiez la musique, sinon ça ne sert à rien. Donc, on va plus entendre parler des rats, mes employés, eh bien, leur ont cassé la bouche. Et on va pouvoir montrer à cette infâme guilde que nous ne sommes pas des imbéciles. Et oui. Alors, trois nouvelles quêtes sont disponibles. Alors, les petites étoiles à côté, c'est le niveau des persos qu'il faut, hein, je suppose. Bref, allons tuer des gobelins. Mais oui, Broudaf, tu vas aller tuer des gobelins, mon petit bobo. Vas-y, mon bobo. Alors, on doit tuer 4 monstres. Facile. Tiens, je ne pourrais pas aller là. Pourquoi cela? Bah par là. Hein. Bon, on va mettre un petit cobalt. Voilà. Allez, on va aller se balader un peu. Hein. Allez. Il nous fait un strike, mince. Eh bien, mon petit brobrou, tu vas te soigner et piocher 2 cartes. Voilà, comme ça, là, tu as beaucoup de cartes. Te permettra de faire des dégâts. Alors, c'est peut-être pas le bon perso, hein, parce que eux, ils doivent pas avoir beaucoup de magie, les gobelins, je pense. Et qu'on sait que le magicien, eh bien, va surtout faire des défenses magiques. Oui, c'est logique. Mais ils ont de la magie. Mais mon dieu, on va te zapper. Ah non, il avait une défense. Ah, il avait une défense. Merde. Bon, bah c'est le décès. Bravo Broudaf. Bravo Broudaf. Mort dès sa première sortie. Oh, you come so close that time. Poor Dungeoneer put down. Bravo à lui. At least they didn't die in vain. They've inspired. Nous avons gagné le graveyard. Alors, où est-ce qu'on va mettre le cimetière? Bah moi je dis que devant la guilde, le cimetière c'est pas mal. The grave digger. Alors, nous avons débloqué le Grave Digger, donc le notre ami creuser les tombes. Eh bien, nous avons déjà quelqu'un de tout attitré pour ce travail. Et oui, ce sera un homme, encore une fois, cet homme si beau, si fort, si puissant. J'ai nommé. J'ai nommé Ardarin. Et oui, Ardarin sera notre Grave Digger. Voilà. Pauvre Broudaf. Ah là là. Pas assez intelligent pour avoir pu ramener un seul trophée à son nom. Voilà. Bravo à lui. Bravo, mon petit Broudaf. Eh bien, partons directement. Et nous allons dire que Ardarin va aller venger son ami Broudaf. Eh oui. Alors, mon petit Ardarin, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Alors, hop. Eh bien, là-bas. Vas-y, mon petit Ardarin. Mais oui, tu peux combattre les gobelins. Ne t'inquiète pas, mon petit Ardarin. Alors, c'est un Grave Looter.
Oh, il peut garder les trucs des anciens des morts. C'est cool. See you in hell. Voilà, on va prendre un dégât. Voilà, et on commence à accumuler des dégâts pour la prochaine attaque. Et oui. See you in hell. Aïe, c'est pas grave, il est mort. Déjà, Ardarin est plus efficace que Bourdaf. C'est assez intéressant de le noter. Bah moi je dis armure. Hein. Ok, une petite fontaine d'héroïsme. Ok, on va aller par là. Ah, je vais faire exprès. Hein. Aïe, on gagne de la vie, c'est vrai. Quand ? Par dommage bloqué. Très bien. Voilà. Merci pour la régène. Bah écoute. Vas-y. Ah ah. Faut pas me tuer. Je suis trop fort, mon ami. Dommage. Il me reste un PV. Allez. Aïe. Vas-y, mon petit Ardarin. Bravo. Alors, mon petit Ardarin. Mon petit Ardarin, il va se balader avec une fourchette. Cet équipement, mon petit Ardarin. Tu as un sacré équipement. Je suis fier de toi. Alors. Bah non, on va taper. Hein. C'est qu'un petit rat. Petit Ardarin, tu es quand même capable de tuer un rat. Sans avoir peur de mourir. J'espère. Allez, on y va. Bah écoutez, on va se régénérer, hein. Mais quel con! Pardon. Des fois je me hais. Des fois je me hais. Hein. Je les vois les petits symboles. Hein. Je voyais que je ne pouvais pas contrer l'attaque. Hein. Je l'ai vu. je l'ai vu. Je vous promets que je l'ai vu. Hein. Mais je l'ai fait quand même. Et ça c'est beau. C'est à ça qu'on voit les vrais. Les vrais joueurs. Ceux qui n'ont pas peur. Et les... J'ai pas trop envie. Un gnule. Ouais. Si tu veux. Je voudrais essayer de découvrir le plus de cartes possible parce que plus on découvre un grand terrain, plus on gagne d'argent. Bah ouais, bah tapez. Hein. On va y aller. Hein. Alors Fury, ça fait quoi Fury? Ah! Ah. Aïe. Yes. Oui. Bon bah... Au revoir Ardarin. Ardarin s'est fait tuer par un gnoll. Bravo à lui. Once again they tried in vain to overcome and not be slain, but on va y arriver hein. Ah, un nouvel apprenti est arrivé. Alors, c'est parce qu'en fait je le savais hein. En fait quand vous perdez un perso vous débloquez le Grave Keeper, donc ici le Graveyard. Ardarin, pauvre Ardarin. Ah là là. Pas assez intelligent pour aider. Maintenant il est mort. Et peut-être qu'on devrait le brûler. Très bien. Je le savais. Hein. Donc en fait quand vous perdez un Dungeoneer, vous débloquez le Graveyard et après à chaque fin de partie, enfin chaque fin de tour, vous récupérez un mec. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre si on peut perdre en fait une partie. J'arrive pas à perdre une partie en fait. Bien, on va aller avec le signe noir qui va aller
eh bien, ici. Enter the treasure room. Aller là-bas. Donc on doit aller là-bas. Bah écoutez. Tu vas aller là, mon petit signe noir. Il y a un thug. Vas-y, va tabasser des brigands, mon petit, le signe noir. Tu n'as pas l'air très serein, mais ce n'est pas grave. Tu vas y arriver. Tu as déjà l'avantage. Bravo à toi. All blocks increase by one. Oh. Pas mal. Donc s'ils bloquent, ils sont meilleurs en blocage. D'accord. Mais là, il est débile. Très bien. Moi, ça me va. Ouais, regardez. Il a fait deux blocages, là. Alors qu'il n'en avait sélectionné qu'un. Mm-hmm. Ça peut être vachement intéressant comme, comme perks. J'aime bien ce genre de perks. En vrai, tu vas prendre ça, parce que ça, j'adore. La petite couronne, j'aime bien. Très, très pratique, la petite couronne. Alors, non. Non, non. Et, j'ai pas envie. Bon, on va mettre ce monstre. Et on va voir à quel point on va se faire défoncer. Bon. Pour le moment, ça va. Mais j'ai tellement peur qu'il va nous défoncer. La goule, ça doit pas être si facile que ça. Pardon. Pardon. Aïe. Mais aïe, quoi. Mec, il arrive, il te fait 3 dégâts, quoi. Ok. Non, mais ça va. Ça va aller, le jeu, hein. Le jeu, il a pas envie qu'on joue aujourd'hui, hein. Allez. Il a pas envie qu'on gagne. Ah, le club. Le hook. On va prendre l'encre. C'est une noire qui se bat avec une encre. Moi, ça me dit... Allez. J'aimerais bien avoir des cartes qui me permettent d'aller vers l'objectif, quand même. Ok, on va y aller. Pain. Bon, ça va. Fait 2, pas 3. Nous, on lui fait 2 aussi. Ok, il est con. Très bien. C'est la victoire dans tous les cas, c'est la victoire. Dans tous les cas, c'est la victoire. Le signe noir, toujours invaincu. Bien meilleur que Bourda à foire d'arrive. Skip. Prends de l'argent. Tac. Très bien. Ça, c'est très bien. Bon, est-ce que le signe noir arrivera à tuer le gnoll? Je ne pense pas. Moins 2 if in a dead end. Hein? C'est pas une route bloquée, ça, une dead end? Je crois, hein. Je crois que c'est ça que ça veut dire, hein. Une impasse, je crois. Je crois que c'est le mot anglais pour impasse, si je dis pas de conneries. Quelqu'un me corrigera, mais je pense bien que ce soit que c'est ça. Neurotoxique, non. Il va se calmer, le bigorneau, là. Attention, il va être à midlife. Il est en furie. Ah là 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 là. Allez, vas-y mon petit signe noir, tu peux battre ce gnoll, tu peux montrer à Ardarine comment on fait. Oulololololo, montre à Ardarine comment on fait. Bats-toi. Mais ouf. Ouf, chacha va faire mal. Mais tu as survécu mon petit Ardarine, et mon petit le signe noir, tu as montré à Ardarine comment on faisait contre ces foutus gnolls. Ah, j'adore le glyphe. Il y a des objets que j'aime bien déjà dans le jeu. Ça me dit trop rien. Physical attack dealing 3 plus dommage, get 1 bonus dommage. D'accord, donc si on leur fait plus de 3 dégâts,
il va nous... on lui fait un dégât de plus, mais ce n'est pas grave. Ok. Bah par là, et là on va mettre une goule, hein, parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Allez. Bah écoute. Alors si je fais draw, on perd que un point de faveur. Hein. Regardez. Hop. Vous voyez, je n'ai perdu qu'un point de faveur. Et ça me permet justement de... voilà. De me heal. Bon lui c'est heal aussi, mais... pour moi ça m'a permis de me heal. Bah taper, hein. Comme ça on a gagné. Vous voyez que c'est pas un jeu facile. On peut facilement perdre. Oli plus fire, mais oui. Je, comme ça, je garde mon Oli. Un bandit. J'ai pas envie. J'ai pas des bonnes cartes là. Le jeu ne veut pas que je gagne. Allez. Moi aussi je t'ai fait deux. Hop là. Voilà. Bon par contre là il a repris l'avantage, ça me plaît pas. Taper. Allez. Ok, on a gagné. On a gagné. Nickel. Bah non, on va prendre ça. Hein. Faut un peu d'argent quand même dans le jeu. Hop. Hop, on va mettre l'argent ici. Allez, on va mettre un gnoll quand même, parce que là derrière, un gros truc là. On va faire ça. Allez. Voilà. Ouais, il faut faire des dégâts. Yes, on a gagné. Pas facile le gnoll, hein. Il peut facilement nous tuer. Attention, attention. C'est quoi cette créature dégueulasse là? Un scorpion. Ah. Bah en avant mon petit signe noir, va combattre le scorpion. Ouf. Ok. Vas-y. Aïe. En train de te faire défoncer le signe noir. Est-ce que tu en es conscient? Aïe. Voilà. Il reste... Ouh, 5 PV. Ou 3. On se soigne. Hein. Il n'a plus que 2 PV. Pourquoi j'ai pas gagné? Parce que c'était imbloquable. J'ai pas vu. Sabotage. Ah. Ça. Non. Non. Le signe noir est décédé. Bon. Which animal would be a dungeoneer? Bravo les gars. Fox, an agile deer, or a fearsome beast for a foe's condemning? But alas, this dungeoneer's voilà. A lemming. Alors, on peut expandre notre guilde. On va peut-être prendre une petite The Fiver Warrior Spirit. Voilà, on prend des objets. Je crois qu'on va acheter des objets.
Allez. On va prendre le Woodworker qui nous donnera des haches, des arcanes, des arbalètes, des boucliers de healer, des spyglass. Voilà, on va prendre ça. Allez. Où est-ce qu'on va le mettre? Notre petit... écoutez, moi je dis que on va aller le mettre plus vers le haut, comme ça, là. Voilà. Voilà. On aura plus de loot. Bon. Allez. Malice, on compte sur toi. Tu es la dernière de l'équipe. Ah, oui. J'ai pas fait entrer dans le genre, j'ai fait fermer. Quel talent. Allez. Vas-y, ma petite Malice. Toi, tu vas y arriver, on compte sur toi. Et mince. Punaise. Deux de stupidité pour le prochain combat, quoi. Horrible. Ok. Ah mince, je suis con. Bon, c'est pas grave. Ça commence. Oui, fais ça. Voilà, merci. Et ça. Perds pas de vie. J'adore le... Pour moi, c'est l'un des meilleurs persos du début, le 4 machin. Voilà. Allez, hop. Alors, est-ce qu'on va avoir une nouvelle arme? Ah, la hache. Un d'armure et rip. Oh, pas mal. Bah écoute, tu vas prendre... prends la hache. Donc là, on aura deux de stupidité. Hein. Donc attention. Je me mets de l'argent là. Très bien ça. Hop. On y arrive. Oh, un gobelin là-bas. Allez. Ok. Vas-y, défausse-moi la stupidité. Yes, merci. Bah écoute. Hop, protégé. Voilà. Et le slice qui me permet de gagner le combat. Voilà, Malice. Malice. Forcément, on peut compter sur elle. Pas comme les autres. Ok. Bah oui. Mettre une petite cape de magicienne. Mais oui, va là-bas. Tac. Et tac. Voilà. Hop, hop. Est-ce qu'on va piocher de l'argent? Oui, de l'argent. On aime ça, nous, l'argent. Allez. Ah. Allez, allez, allez. Bah oui, fire. Allez, prends-toi 2 PV déjà. Ah, qui est le meilleur? C'est certainement pas moi parce que je fais des grosses erreurs et des grosses bêtises. Mais ça, vous l'avez pas remarqué. Allez. Il va enfin terminer une mission dans cet épisode. Quel talent. Ouais, bah l'argent. La clairvoyance, très bien. Je suis clairvoyant. Allez. Ça fait quoi, clairvoyant? Prédiction. Ah, d'accord, on voit leur prochaine attaque. Ah, intéressant. C'est pas mal, ça. Ça peut permettre de... Voilà, là j'ai pu le tuer en avant qu'il fasse sa grosse attaque. D'accord. D'accord. Oui, prends ça pour le revendre. Toujours de l'argent en plus.
Do you have any decency, I wonder? Like the ivory leaf of explorers. Instead, you pillage and plunder and rip everything asunder. Talent. You're just a reckless bunch. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah oui, le signe noir. Ah là là. Pauvre signe noir qui est décédé. Il a combien d'argent? 34 seulement. Ah, je peux rien acheter avec 34, moi. Dommage. Dommage, dommage. Eh bien, moi, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.